Bonjour, bonjour. Bienvenue, mes chers élèves de la classe CO1, deuxième année primaire. Alors aujourd'hui, on va voir la correction. On a déjà fait en classe et maintenant sur notre chaîne YouTube, Jocomics TV. Bon. Correction du contrôle continu de français, des exercices écrits au profit des élèves de CE1 et d'autres élèves aussi. Bon, on a ce petit texte qui parle de la famille Alamy. La famille Alamy, monsieur et madame Alamy ont trois enfants, Salim, Sophia et Rachid. Salim a 12 ans. Et les deux autres sont plus jeunes, ils vont à l'école tous les trois. Le père est menuisier, il travaille toute la journée dans son atelier, la mère s'occupe de la maison et les femmes de foyer. Je viens de vous présenter bien sûr le texte. Voici les questions et les réponses. Alors, la plupart de mes élèves ont bien répondu à ces questions. Il y a quelques-uns qui ont trouvé quelques difficultés. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est La famille à la vie. On trouve toujours le titre en haut. Regardez ici, La famille à la vie. C'est au-dessus du texte, la famille à la vie. Alors le titre de ce texte est La famille à la vie. Voilà. Comment s'appelle le père de la famille? Bien sûr, c'est Monsieur à la vie. Monsieur et Madame à la vie ont trois enfants. Alors, il s'appelle Monsieur à la vie. Quel est le métier du père? Il est menuisier. Le père est menuisier, il travaille toute la journée dans son atelier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tables, il fait des armoires, il fait tout ce qui est en rapport avec la menuiserie. Il est menuisier. Il travaille dans son atelier. Que fait la mère? Elle s'occupe de ses enfants et les femmes de foyer. Combien ont-ils d'enfants et comment s'appellent-ils? Alors, je parle de la famille d'Alamy. Monsieur et Madame Alamy ont trois enfants. Alors, ils s'appellent, c'est l'aîné, c'est-à-dire le plus âgé des enfants, c'est Salim, à 12 ans. Voici la cadette, Sophia, et Benjamin. Rachid de Benjamin, ça veut dire le plus, le moins âgé des enfants. Le plus jeune, oui, le plus jeune. Alors, Salim, c'est l'aîné. La cadette, c'est Sophia, c'est au milieu. Et Rachid vient enfin, c'est Benjamin. On parle de langue, grammaire. Entoure les déterminants pluriels. Alors, la plupart de mes élèves ont bien répondu, c'est les et des, puisque c'est un et une. Ce sont des déterminants, mais non pluriels, mais au singulier. Alors, ici, je parle de, il faut entourer les déterminants pluriels. Mais au pluriel, les mots. Un sifflet, c'est au singulier, un gâteau. C'est très simple. Des sifflets avec S et des gâteaux avec X. Un sifflet, des sifflets, un gâteau, des gâteaux. Conjugaison entoure les verbes non conjugués, c'est-à-dire à l'infinitif. On a parlé, c'est terminé par la terminaison et souligné. Les deux verbes appartiennent à la première, au premier personne, au premier groupe, pardon, au premier groupe. Pour nettoyer, soigner, non, ou nettoyons, soignons, non. Ce sont des verbes conjugués. Entoure uniquement le verbe non conjugué, c'est-à-dire l'infinitif. Alors je parle de parler et souligner.
parler et souligner. Pourquoi? Parce que c'est terminé par la terminaison et la terminaison du premier groupe. Complète avec les terminaisons qui conviennent au présent. Alors, il dit, et on dit, elle chante. On doit écrire ici, elle chante. Tu nettoies avec ES. Nous attrapons avec ONS. Il surveille avec ONT. Il suffit tout simplement de d'observer les pronoms personnels de conjugaison. Elle avec E. Tu avec ES. Nous. Ah, pardon. Nous avec ONS. Et il avec S ONT. Les élèves qui ont bien révisé, ils ont obtenu bien sûr de bonnes notes. Orthographe complète avec I ou E. L'arrivée, le français, un taxi, un balai, une paire de gants. Il faut distinguer uniquement pour la prononciation. L'arrivée, le français, un taxi, un balai, une paire de gants. Entoure les lettres qui servent à écrire le son yé. Alors, il y a ici une bille. On a I, deux L, E, une bille. Le charpentier. Toujours I devant une voyelle, se prononce yé. Comme l'exemple de le premier, le dernier, le charpentier. Y aussi, un rayon. Et I, deux L, le papillon. Répète avec moi. Une bille, le charpentier, un rayon, le papillon. Mais un mot étiquette pour chaque liste. Il y a sport et fruits, football, basketball, tennis, équitation. Ce sont des activités sportives. Oui, la parole au sport. Banane, cerise, orange. Les autres fruits, non. Et les autres fruits, ils n'appartiennent pas à la catégorie du sport, mais fruits, tout simplement, c'est très simple. Mais il y a quelques élèves qui ont des fautes ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas exact. Je ne sais pas pourquoi. La protection de l'écrit, on a cette phrase tirée du poème Ami. Dans notre livre L'arbre au mot. Alors, mets les mots en ordre pour construire une phrase. Alors, c'est un test de mémoire pour les élèves qui ont bien récité le poème Ami. Voilà. Alors, il y a ici bon est sur un il assis vieux. On dit il est assis sur un vieux bon. Assis sur un vieux bon. Présente ta famille en quelques lignes. Par exemple, mon père s'appelle Ali, il est commerçant. Mon père s'appelle Ali, il est menuisier, il est mécanicien, n'importe. Alors, commerçant, c'est le nom de métier. Ma mère s'appelle Rita, elle est vendeuse. S'il ne travaille pas avec les femmes du foyer. Alors, j'ai un frère, par exemple, et deux sœurs. Voilà. C'est tout pour le moment. Je viens vous présenter la correction du deuxième contrôle continu de français des exercices écrits, le premier semestre de janvier 2023 pour les élèves de CE1 et d'autres élèves aussi pour bien maîtriser ce qu'on appelle les exercices écrits et tout ça. Bon. Le titre de ce texte est La famille Alami, s'appelle Monsieur Alami, elle est menuisier, elle est femme de foyer, ils ont trois enfants, Salim, Sophie et Rachid, ce sont les réponses de compréhension. Entoure les déterminants pluriels sont les et des uniquement, mais au pluriel, un sifflet, j'écris 10 sifflets avec S, un gâteau, 10 gâteaux avec X. Conjugaison, entoure les verbes non conjugués, ça veut dire le verbe à l'infinitif, il y a parlé, puisqu'ils ont ER, souligné aussi, les autres verbes non, ils ne sont pas à l'infinitif, mais ils sont conjugués, ça dépend du pronom personnel de conjugaison.
Alors ici, complète avec les terminaisons qui conviennent au pluriel, au présent, pardon. On dit une chose avec E, tu nettoies avec ES, et les autres on, ils surveillent avec ENT, ça prononce E, ils surveillent. Orthographe, on dit l'arrivée, le français, un taxi, un balai, une paire de pour distinguer uniquement la prononciation. Entoure les lettres qui servent à écrire le son yé, il y a i de zèle, e, une bille, le charpentier, toujours i devant vous voyez le son prononcé, un rayon avec y, et le papillon avec i de zèle. Football, basket, tennis, équitation. Le mot étiquette ici c'est sport, banane, cerise, orange, les autres c'est fruits. Elle est assise sur un vieux banc. N'oublie pas que cette phrase tirée du poème Ami. Présente ta famille en quelques lignes. Voilà, je présente aussi le nom du père. Par exemple, Ali. Qu'est-ce qu'il fait, Ali? Mon père, il est commerçant, c'est le métier, c'est le travail, c'est une profession. Alors, ma mère s'appelle Rita, elle est vendeuse. Voilà. J'ai un frère et deux soeurs, etc., etc., qui s'appellent. Voilà. Chacun sa propre famille. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. N'oublie pas que Je Communique TV est une chaîne pour l'éducation et l'enseignement de la langue française pour la plupart des élèves, surtout au primaire. Voilà, c'est tout pour le moment. À très bientôt, mes chers élèves de CO1 et d'autres élèves aussi.